Donkey Kong a volé les jouets Mini Mario. Mario doit maintenant se lancer à sa poursuite pour tous les récupérer. Des niveaux remplis de casse-tête vous attendent. Here we go. Nous voilà déjà dans une impasse. Sautons sur cet interrupteur. Voilà qui est mieux. Actionnez les bons interrupteurs au bon moment pour progresser. Utilisez également des tapis roulants, des ressorts et bien d'autres mécanismes pour parcourir les niveaux. Mario possède aussi tout un éventail de techniques pour franchir les obstacles. Il peut se balancer, se tenir sur ses mains, faire des sauts périlleux et même des doubles sauts. Utilisez toutes ces techniques ainsi que vos méninges pour récupérer les mini Mario. Vous aurez 8 mondes à parcourir. Grimpez aux cordes dans la jungle. Évitez la lave en fusion. Laissez-vous porter par le vent dans un parc d'attractions. Glissez sur des surfaces glacées. Et bien plus. Vous trouverez aussi des niveaux qui vous demanderont de guider des mini Mario jusqu'à leur boîte à jouets. Ainsi que des combats de boss où vous devrez affronter Donkey Kong en personne. Il y a plus de 130 niveaux au menu pour mettre votre adresse et vos méninges à l'épreuve. Si le défi est trop corsé, n'hésitez pas à essayer le mode détendu. Dans ce mode, si vous faites une erreur, vous reviendrez simplement au dernier point de passage. Il n'y a pas non plus de limite de temps, vous pouvez donc jouer à votre rythme. Il est aussi possible de jouer à deux en mode coop local. Les niveaux proposent des défis légèrement différents lorsque vous les faites en duo. Unissez vos forces pour en venir à bout. Utilisez les techniques de Mario et vos méninges pour résoudre les casse-têtes et sauver les mini Mario. Mario vs Donkey Kong fera son arrivée le 16 février sur Nintendo Switch. Une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.